Bonjour à tous, bande de biso, bolandara biso, batanzinoise et tanzinois. Merci mingi na confiance, bosalaka na chaîne Nabino, chaîne de l'excellence, télé Tchangou, et belé, bokomela rabiso, bopesa rabiso. En tout cas, bah, encouragement Nabino, pe bopesa kapé, bah, remarque Nabino pour nato améliorer, en tout cas, moussa na biso de toi ko sala, soukamboula yango yo, et ye, donc na kombo na ngamoro pe na kombo ya équipe ya télé Tchangou, to ye ko présenter Bino, en tout cas. Fête et l'amour, fête et la nativité, paix à bonne année 2022. Vœu Nabiso Penza, Yamakasi Torobanda Yango, na Fabien Kouswanika, Yemoko, Azaye Kokamba, Bisonio, Sonakati à Télé Tchang, en tout cas, ce qui a été année 2022, et c'est l'année Moro Yamalam ou Penza, au Kendeli Bosso, Nzamba Batela Yo. Pe na libota na yo mobimba to pesi pe ba tanzinois et tanzinoises nyonso ba en tout cas ba vœu ya makambu ya malamu e belé et comme la bino to bi que bo ti ko traverser surtout bino penza bozaki qui frappé na COVID-19 oyo mais nzambe azana na bino makam na mieux kende liboso biso équipe atelier Tchang toza toujours wana pour na ko sala la bino ko pesa bino ba information oyo awa ezali ko leka na Kinshasa et bande ko belé ba tuna ranga pe ba ko soutenir biso lo lenge nini numéro na biso pe yango wana numéro MPSA yango wana bokoki ko soutenir biso pe na nzela wana en tout cas meilleurs vœux à tout le monde et bonne fête de nativité Bela maladi tungi kwa bana pipa ya mwini Yasmini zikoba basi mutu ya kala deni ya kusali sugetyo Kila kabisa mbu mama tana mini kola Basi mutu ya kana mambu Meni taliba losuro kila nikia mwina Ya kalaka ya banza buna ya tabu kongolo utadye Mbundu kumesu mama tana mini kola Basi mutu ya kala Ya kusadisa mama Rikate mu mama nanda Mama yuke Kusanga mukiti mzila Wana tatangu mawanga ya banza You can be mambo Kutwa tuka mubambi ya kaswange Nila mame Abana mama, abana mawanga angwa nenwe Abana mama, abana bakongo, ngwane nwe gawalo Ale, sengula duenda
Seni Bojolo. Kani mokona la kota kwa misakala. Ona Seni, toko kufa. Ona Seni, toko kufa. Ona Seni, toko kufa. Nous sommes des journalistes. Monsieur, allez-y. Nous sommes des journalistes. Tambola. À travers Citino to monibisonio sort confiscation il y a démocratie à travers interdiction na ba paisible citoyen ya ko manifester parce que tant que biso la muka tozali ko senga dépolitisation ya bureau ya seni tozali ko senga obele retour na normal puisque CENI wana ezali organe technique ya gestion électorale alors na kati ya ba organe de gestion électorale tozana ba organe misato tous en organe permanente temporaire pe mixte où ils allaient qu'à CENI ou l'inko lobaété direction ya CENI et Sengeli ezonga obele na société civile étant donné représentativité na bango dans le peuple bongo plénière ya CENI et kambama na ba force au parlement kasi ozali komona lelo ba parti politique au bazali na pouvoir bazali ko caporaliser CENI pour bango ba kota pour na ko organiser fraude électorale au biso la muka tozali ko belela depuis 2018 donc lelo peuple congolais ba jeune au tozali biso ya ba parti politique nouvel élan décidé tous ala qui bongo na terrain pour na ko exprimer mes contentements na biso mais bomoni bino mokolo lenge police kangi banzela et pené même ba to bazali ko vaquer na ba occupation na bango autre que politique donc ozali comme on a été ba crise ozali ko continuer na mboka na biso ezali de nature politique puisque ba politique bazali soumis na principe irrédévabilité te pe bazali ko reconnaître peuple comme souveraineté yango biso la muka tozali ko continuer bongo na combat ozali ya mobilisation à peuple pour na alternance pacifique pour na tous dans la institution où est kokana réellement bon on a volonté y a na bandi na élection à 2023 peuple a retranché parce que combat où la muka azali ko sale azali combat ya édification à population pe azali ko sale ma dans le temps le peuple a comprendre et CENI azali organe de gestion moko technique où est singeli kamba na société civile donc lobby na maponami peuple azali mobilisé pour na ko barin zela na ba union so bazali ko senga ko bunda pour na caporalisation ya bureau ya CENI. Merci. Pour nous qui sommes du nouvel élan, considérant que c'est l'économie qui régit la politique, le bilan de M. Félix-Antoine Tshisekedi est négatif, puisque le bilan, c'est l'équilibre des recettes et des dépenses. Ici, nous constatons simplement le fait que le pouvoir exécutif et législatif qui prend le gros du budget au détriment du pouvoir judiciaire, au détriment de la population à travers notamment l'augmentation de salaires et la vie sociale, puisque le cheval de bataille de M. Félix-Antoine Tshisekedi
Tshisekedi, qui est un état de droit qui passe notamment par une justice indépendante, qui se veut être indépendante économiquement et sur son plan d'action. Donc nous constatons amèrement avec la population que le slogan du peuple d'abord n'a pas pris corps, et de ce fait, nous continuons, nous la Mouka, de mobiliser le peuple pour que lors des prochaines élections, nous ayons cette fois-là un état, des institutions qui émanent réellement de la volonté du peuple.